Le jour où les Avengers ont tué des innocents. Dans le comics Age of X Universe, dont les événements se déroulent sur la Terre 11326, les Avengers dirigés par Steve Rogers ont pour mission de traquer les mutants. Dans cet univers, Tony Stark est infecté par un virus, le fusionnant avec son armure qui le digère au fil du temps, d'où son surnom le cadavre d'acier. Quant à Bruce Banner, il est devenu Hulk lors d'une expérience visant à stériliser les mutants, et lors de sa transformation, il a tué sa fiancée, ce qui lui vaut une haine maladive envers les porteurs du Gen X. Tous les trois sont envoyés à la forteresse X où ils n'hésiteront pas à tuer des mutants innocents. Et c'est après avoir assassiné Mystique qui protégeait les derniers mutants que Captain America réalise son erreur. Et alors que l'armure maléfique d'Iron Man tente de tuer les enfants, c'est à la demande de Tony que Steve le tue et se sert de son gant pour stopper Hulk qui n'a pas basculé du bon côté malheureusement. Et sur ces tristes paroles, c'était Petit Thanos, pense à t'abonner, je te fais des bisous. Peace.